C'est un test de dureté que j'utilise à la fois pour l'aquarium mais aussi pour la piscine. L'utilisation en est très simple. Ici, vous allez remplir avec de l'eau, 5 ou 10 ml. Si vous remplissez avec 5 ml, il faudra compter une goutte par degré de dureté. Si vous mettez 10 ml, 2 gouttes pour un degré de dureté. Les explications sont dans le mode d'emploi ici, notamment en français. Et puis, vous avez l'indication sur le virement de couleur. Donc, on va passer tout simplement du rouge au vert pour le degré de dureté, DH. Après, vous faites un petit calcul que je vous donne dans le commentaire pour passer des degrés allemands, puisque c'est le degré DH et le degré allemand, au degré français. Alors, afin qu'on voit bien le changement de couleur, on va le faire ici, sur un fond blanc, c'est plus simple. Donc je compte le nombre de gouttes, une à chaque fois. Vous pouvez mélanger un tout petit peu, donc on voit ici qu'on est déjà passé au rose, ce qui est normal. 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, on est passé au bleu-vert. Voilà, donc il faut 6 gouttes. Qui dit 6 gouttes, dit donc 6 degrés DH. Sur Internet, vous trouverez la possibilité de faire la conversion ou dans mes commentaires. 6 degrés DH équivalent à 10 degrés français. Le facteur de conversion est d'environ 1,78.